privée pour la protection des investisseurs. Mais le problème que je pose, c'est côté achat de l'énergie, côté STEP. Donc ça, c'est un problème pour l'investissement. Encouragement, donc il faut où on est par rapport à la législation maintenant. Je sais qu'il y a quand même des travaux qu'on est en train de faire, mais on est, on doit savoir. La deuxième, ce n'est pas une question, mais plutôt une remarque. Au cours de la présentation de M. Harabi, on a vu que vous avez insisté beaucoup sur le coût, sur le côté financement, etc. Bon, on sait tout le monde qu'actuellement, ces énergies renouvelables sont plus coûteuses que l'énergie traditionnelle. Mais si on revient sur la présentation de M. Haneshi, on a beaucoup plus pensé sur le côté énergie renouvelable, sur le côté d'une vision globale. Il ne faut pas seulement voir côté financement, mais c'est un projet stratégique pour le pays. Parce que, à mon avis, même si la production elle est peut-être un peu coûteuse aujourd'hui, qui peut devenir moins coûteuse certainement dans des années, mais actuellement, si on voit le nombre d'emplois qui vont être créés, la dynamique au niveau de l'industrie qui va être créée, et surtout rendre de la Tunisie un prototype pour tous les pays voisins. Donc, à mon avis, si on toujours pense côté coût, seulement côté coût, on va quand même perdre beaucoup d'années. Et d'ailleurs, on a déjà perdu.